Bonjour, je suis Vincent Dosvalbago, interne en médecine, en santé publique, au centre de lutte contre le cancer de Rennes, le centre Gemarkis. La réalité virtuelle, c'est être dans un autre environnement que la réalité. Cela a été rendu possible depuis quelques années au grand public grâce à la commercialisation de casques. Ça a été exploité notamment pour les jeux vidéo, mais aussi pour la formation de pilotes de ligne ou encore les auto-écoles. Et nous aimerions l'exploiter en santé. La réalité virtuelle permet aux patients d'être totalement immergés dans un autre environnement, et d'oublier sa maladie, d'oublier l'hôpital, d'oublier la dépression qui peut arriver ou d'oublier l'ennui. Bref, ça lui permet de s'évader. En pratique, nous allons créer avec des patients un groupe de travail et réfléchir avec eux comment concevoir des environnements qui seraient vraiment adaptés à eux, ne pas prendre des produits qui sont déjà dans le grand public, mais vraiment co-concevoir des environnements qui leur permettraient de s'évader réellement et de s'évader de leur lit et de leur maladie. Nous aimerions aussi investir dans des casques de réalité virtuelle qui puissent être intégrés dans les chambres de patients, mais aussi dans l'organisation des soins. Nous allons impliquer l'équipe du centre Gemarkis, les médecins, les infirmiers, les patients évidemment. Et en plus de ces personnes, nous devons rémunérer des graphistes, des développeurs, des personnes qui font du son et de la musique. C'est pour ça que nous avons besoin de votre financement pour donner vie à ce projet et pour que dans 8 mois, nous ayons notre premier environnement proposé aux patients. Nous savons que dans une pathologie comme le cancer, l'état d'esprit et le bien-être du corps a un grand rôle à jouer dans la qualité de vie du patient. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous pour financer ce projet Reality Virtuelle au centre Gemarkis. Merci.